Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Et je suis toujours aussi content d'ailleurs de vous retrouver. Et merci pour ceux qui laissent un commentaire. Bon ben voilà, aujourd'hui, cette vidéo, je fais une session en carpe, en étang, maïs, pelé, pain. On verra bien. Tu vois, ça travaille déjà un peu là sur le coup. Et puis bon, ben là à côté, tout à l'heure, je donnerai quelques coups de leurre souple, on verra bien. Hein. On peut aussi prendre du broc ou de la perche. Voilà, allez. Je mets les lignes à l'eau. On est parti, les amis. Bon, voilà, ça y est, c'est parti. Wow, elle m'a fait un de ses démarrages et un rush en surface. Ça fait du bien. Mmh. Elle se défend. Hein. Et mon fils est là hein, également. Hein. Quand je vous dis pour 2023, ça devenait Eagle White, père et fils. On lui tape au leurre. D'abord, j'arrête un poisson. Bon, ben voilà, j'ai pas mis très longtemps. Hein. Pour prendre un poisson. Papa, t'as une queue sur celle-là. Oui. Ah là, c'est beau. Hein. Je pense. Et tout doucement. Je vais aller me mettre là-bas pour la ramener. Si bien sûr j'ai mon matelas. Ça se défend. Hein. Tout doucement, mais sûrement. C'est pas excessivement gros, mais bon. Elles se défendent. Allez, viens là, ma mémère. Voilà. Je vous dis, c'est pas excessivement gros, mais elle se défend. Allez. Voilà. Mon fils qui a failli
Tombé à l'eau. Voilà les amis, allez. Je mets ça sur le matelas, bien effectivement. Voilà. Beau poisson. Oh, pas très gros, hein. Mais. Allez. 3 à 4 kilos. Allez. On la remet à l'eau. Hop là. Et elle est repartie. Et c'est reparti, ça déroule. Ouf. Waouh, très nerveuse. Ah, deuxième déroule. Bon ben voilà, regardez, une jolie commune, à peu près 3-4 kilos, joli hein. Allez, on remet ce beau spécimen à l'eau, voilà. Bon, j'ai pris quelques photos, je vous les partagerai dans la vidéo à la suite, vous verrez. Allez, deuxième poisson, hop là, c'est reparti. Troisième départ. C'est marrant, ouais, c'est toujours sur la même canne en plus. Je vais m'éloigner de cette canne-là, pas que ça passe dedans. Alors revenez avec carrément. Donc mon fil s'est détendu. Une tanche. Ah, il y avait longtemps que j'en avais croisé une. Tiens. Elle est magnifique. Jolie tanche. Voilà. Jolie petite tanche. Joli poisson tout verdâtre. Allez. On la remet à l'eau. Allez, bisous. Bon ben voilà, les amis. J'arrête là pour aujourd'hui. Il est pas loin de 13h. Je vais me rentrer. Bon, j'ai pris quand même. Deux belles carpes, hein, moyennes, une tanche. Bon, j'ai tapé un peu ici au leurre, mais bon, ça n'a rien donné. Hein. Puisque ben, quand vous voyez déjà tout l'alvinage, hein, ben, le brochet n'a qu'à ouvrir la gueule pour se nourrir, déjà. Bon, ben, ma foi, j'espère avoir un peu conjuré le sort des dernières sorties. Bien, entre les casses, les ratés, les routes barrées, le mauvais temps. Bon, bah écoutez, hein, c'est déjà ça. J'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura plu. Bon, ça reste bien évidemment une session en étang. Mais bon, actuellement, avec les cours d'eau qui jouent au yo-yo, bon, climatiquement, quasiment un jour sur deux, ça monte, ça descend. C'est pas évident. Là, actuellement, d'ailleurs, vu l'orage hier, bah, il y a beaucoup de courant. Hein. C'est même pas la peine, c'est assez haut. D'ailleurs, j'ai mis une vidéo sur mon autre chaîne sur Fusion, sur les grêlons qui nous sont tombés hier dessus, durant l'orage. Voilà.
Bon, ben, il me reste à vous souhaiter une bonne semaine. Je publierai cette vidéo donc en milieu de semaine. Hein. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine. Et encore merci de me suivre, et de laisser un pouce. Et également, merci à ceux qui me laissent un commentaire. On se dit à bientôt, les amis, au bord de l'eau. Allez, ciao!